Les aventures de Gaspard, Joséphine et Yasmine. La reine des ruches. Regardez ! S'écria Gaspard en empoignant un morceau de papier qui gisait à terre. On dirait une carte de bibliothèque, non ? S'interrogea Yasmine qui regarda de plus près et ajouta. Au nom de Jocelyn Mangin. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bertrand. Nous allons résoudre l'énigme. Le rassura alors Joséphine. Ni une ni deux, les trois copains établirent un plan d'enfer avec Madame Schmitt. Ils devaient produire un exposé d'histoire sur la Rome antique sans faute pour jeudi. Super prétexte pour passer l'après-midi de mercredi à travailler à la bibliothèque. Mercredi, 14h, heure d'ouverture de la bibliothèque. Gaspard, Joséphine et Yasmine se mettent en planque incognito dans la salle d'études de la bibliothèque qui se situe pile en face de l'accueil. Avec un peu de chance, la fautive viendra faire reproduire sa carte perdue la veille sur la scène du crime. Après trois quarts d'heure de planque et moult passages de lecteurs, une vieille dame au tailleur impeccable apparut dans l'entrebâillement de la porte. « Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre que c'est elle, » susurra Gaspard caché derrière son livre d'histoire. « Bonjour, Madame Mangin, comment allez-vous ? » lui demanda la bibliothécaire avec bienveillance. « Bingo ! Gaspard avait raison, c'était bien Madame Mangin qui venait d'entrer. » « Oh, ça va bien, mais me voilà bien embêtée. J'ai perdu ma carte de bibliothèque hier. »« Eh bien voilà, c'était confirmé. » »« Mais pourquoi cette vieille dame si élégante, et il faut bien le dire d'un âge certain, était-elle sur le toit le jour du crime ?»« Pas du tout le profil type du criminel, » s'étonna Yasmine. En possession de sa nouvelle carte, Madame Mangin sortit de la bibliothèque avec à ses trousses les trois inspecteurs novices. Alors qu'elle montait sur sa trottinette électrique, casque vissé sur la tête, Gaspard, Joséphine et Yasmine enfourchèrent leur vélo, prêts à suivre la suspecte. Il ne fallait surtout pas la semer. Au bout de 10 minutes de trajet, la voilà qui s'arrêta net devant la porte d'un laboratoire. Elle sortit de son sac une fiole dans laquelle bourdonnait une abeille. Mais pas n'importe laquelle. Une très grosse abeille, dont l'aspect était très étrange. Nos trois copains étaient vraiment trop loin pour voir l'intérieur de la fiole. Madame Anja regarda hâtivement et avec méfiance, à gauche, puis à droite, et s'engouffra dans le labo. Mais qui est cette Madame Mangin à l'air si suspect ? Et que vient-elle faire dans ce laboratoire avec cette abeille si étrange ? C'était le deuxième épisode de la seconde saison de Gaspard, Joséphine et Yasmine, à retrouver dans le Ricochet numéro 146. Cet épisode a été produit par la Fédération Nationale de l'Action Catholique des Enfants, réalisé par Marie-Julie Suberly, mise en musique par Mathieu Momela, et illustré par Léa B. et Wissinart. Participez aux prochains épisodes en inventant un personnage que nos trois héros vont rencontrer et qui va les aider dans leur quête.